HMA les potes, on se donne rendez-vous tous les soirs du lundi 25 au dimanche 31 octobre avec cette vidéo accompagnée de Non et Sayoto sur notre aventure The Mimic du Roblox. Non fait également la même aventure sur sa chaîne, si vous voulez voir son point de vue, alors installez-vous bien, prenez à manger et à boire, et pour les plus courageux, je vous invite à mettre des écouteurs et le son à fond. Attends, on va voir passer. Il s'est barré. Il est où? Mais je vois pas la porte du casier, moi c'est invisible. Ah, tu la vois pas? Attends, il a... Attends, bouge pas. Vas-y, je bouge pas. J'en ai eu un cinquième. Il vient de passer. Attends, j'ouvre, on regarde à quoi il ressemble. Regarde, il est là. C'est vraiment... Il est vraiment mince en fait. Ouais, en vrai, il est lent. Attends, hein, Michael il est Jackson pas... V2. Oh, il arrive. C'est bon, c'est... j'ai ouvert. Putain, comment on s'est précipité dans la classe. Ouais, oh, il est derrière. Ça m'a fumé. Y'a rien là? Non, y'a rien. Oh, Kenzel, il arrive. Et il court vite, le machin. Il arrive sur le mur, Kenzel. Il a... Oh, t'as vu ça? Non, j'ai il pas vu. Alors, il était derrière nous, il s'est collé à la porte, là. Il a nettoyé de nous toucher. Ouais, j'étais sur en train d'ouvrir la porte, j'ai dit, j'aurais pas le temps, c'est bon, on va mourir. Oh, moi, je l'ai vu, clairement. Hein. Mais il court vite, en fait, hein. Il court pas du tout doucement. Hein. Ok. J'ai eu un autre butterfly. Ouais, pareil. Crois, il arrive là ou pas? Des fois ça me bête le son, je sais pas s'il arrive ou pas. Quinzel. Ici. Oh, il est sur moi. C'est bon, ouvert. Oh okay. Mon dieu. Oh okay. Mon dieu. C'est bon. Hop. Bah attends, il en manque une du coup. Ouais. Ouais, je l'ai trouvé, il était à côté d'un casier. Voilà. Ah bah c'est bon, cinématique. J'étais inutile dans tout ça, j'ai rien fait. À côté d'un casier, au calme. J'ai rien fait, hein. J'ai trouvé un seul papillon, ils ont trouvé les autres. T'inquiète. Moi j'étais en train de rôder autour des salles et tu vois je vois un truc blanc, laisse tomber. Ah, il y a le monstre du Loch Ness. Ah oui, putain c'est beau de ouf. Du Loch Ness. Du Loch Ness. Du Loch Ness. Il y a Loch Ness au milieu là. Il y a quelqu'un qui a une Pokéball ou pas là? Do you Ah par contre c'est vraiment stylé, je kiffe trop la map. Ouais, on ici, en parle beau. Que genre c'est immense, nous on a pas cherché à comprendre, on est parti à droite. Je tiens quand même à dire que de base on était dans une école. Hein. Je dis ça comme ça. On s'est téléporté. Ouais, et aussi, il faut chercher des endroits pour nous cacher parce qu'on peut sprinter et je sens qu'il y a le monstre encore ici. C'est oh, regarde la lune, de la téléportation, regarde la lune. La lune. Regardez la lune. On va là, se transformer en gorille comme dans Dragon Ball. Vous la voyez la lune ici là? Ouais, non, en haut, là. Ouais. Oh putain, qu'est-ce qui regardez... s'est passé? Regardez sur le truc. What? Mais qu'est-ce qui se passe? On est rentré dedans quoi. Mais j'étais en train d'admirer la map. Il y a des chiffres. 2, il est bien foutu. 4, 7, 3. Non, 2, ouais. 5, pardon. 2, 5. C'est 5, 7, ouais, 3. Au milieu. C'est une date, hein, je pense. Non ouais, c'est peut-être un code pour ouvrir une porte. Hein. Vaut mieux le retenir, on sait jamais. 2, 5. Ok. Monter à l'étage, hein, je pense c'est plus... Oh, c'est long d'ouvrir la porte. Mais je l'ai, le spirit. Attends, ah, Kenzel, tu viens. Oh là là, ouais, vu que c'est toi qui l'a ramassé. Ah, vu que c'est toi qui l'a ramassé, il n'y a que toi qui pouvais ouvrir. Hein ah, il y a des poupées. C'était la musique préférée de ma mère. Ok. Ah bah, elle avait pas de goût. Hein. Oh non. Oh, les bébés. Allez, on ouvre la porte, on part d'ici. Moi, je reste pas là. C'est mort, il y a des poupées, là. Des têtes de poupées. Oh non, à chaque fois, faut ouvrir la porte. Oh putain. Oh non. Et qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai capté. Il y a quoi là? C'est quoi? Allez, la lumière est rouge. Je sais pas si vous avez vu. Oh. Ah ouais. Toujours plus creepy, allez, toujours plus. Ouais, c'est tout le temps la même pièce, mais toujours plus creepy. Ok, prochaine pièce, vous êtes prêts? Yo les gars. On peut pas courir, on peut pas sprinter. C'est un truc qui nous saute à la gueule. Ah, bah, attends. Je l'ouvre. Ah, voilà. Alors. Ouais. Ah, il y a le code. C'était 2, 5, 7, 3. Vas-y, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3. Oh, une clé. Il y a quoi? Ok, tu l'as. Qui l'a pris? Prise. Moi, je l'ai pris. On y va? On a tous pris.
Mais elle sert à quoi en fait la clé? Je comprends pas. Bah, il y a sûrement une porte en arrière. Hein. Yeah. Oui. Elle est bizarre cette salle, mais tranquille. Allez, go. Oh, regarde, avant il était là le truc ou pas? Non, non, il était pas là le radio, à la radio. What the fuck? Putain de bordel! Oh, oh putain! Ah, je me suis tellement frappé la jambe! Bon, y a bah. Pas que toi. Bon, on peut avancer. Ma souris, oh, elle s'est envolée là. Il est horrible. Il est horrible. Ouais, celle-là, oui, celle-là elle est horrible. Ah putain. Oh, le je suis pas bien, je vais tomber dans le. En plus, c'est pire. Oh, elle était là la radio. Oui, on peut enfin. Oh, elle était là. Oh, c'est bizarre, dis donc. Ouais. Ah, je vous promets, j'ai pas envie d'avancer. T'as vu le screamer qui. Non, t'inquiète, c'était soft en vrai. The thing of starting to the pièce together is too much of. Ah, mais si ça continue, je vais faire des arrêts cardiaques là. Non, d'abord t'inquiète. Ma maison, ensuite l'école et maintenant ça. Je ne veux pas penser que ces monstres ont pu prendre mes parents. Oh, oh parents putain, fais chier. Oh. J'ai sursauté. En vrai, ça aurait été tellement drôle qu'on mette nos cams, genre. Ah, ouais, ah non, ouais, c'est vraiment vrai. Le truc que Kenzie disait là, les battements de cœur, ça serait tellement bien. Ah, regarde, 0 sur 6 burned. Locate, il faut trouver les 6 items qui sont maudits, il faut les cramer avec la flamme blanche. Il faut qu'on utilise les buissons pour se cacher et ne pas se faire choper. En gros, les buissons là, regarde ici, c'est des buissons comme ça. Je sais pas ce que c'est. Ça a pas mis en bas à droite. Ah, il est en face là, on dirait un samouraï avec un couteau. Il y a les butterflies en face. Ah, la lumière, c'est ici qu'il faut les cramer, je pense. Ah, burn. Ok, ouais, ouais, burn. Il faut cramer. Attends, il y a une salle bizarre là. Je me cache. Tu crois qu'il m'a vu ou pas? Il passe à côté de moi. Ouais, il passe à côté de moi là. Oh, moi, il n'y a pas de. Ah, je viendrai. Ah, je suis mort. Putain, je suis tombé sur lui. Oh putain, je cours comme une malade là. Ça veut dire quoi? Qui m'a vu? Ouais, qui t'a vu, c'est ça. Je suis dans un buisson. Mais je me suis caché dans un buisson, il m'a quand même chopé. Non, moi c'est bon. Ok, faut essayer d'aller coup, cramer, les trucs. Il est là. Vite, cours. Et c'est là d'où je viens, du coup, faut aller là-bas. Ah, au moins des trucs labyrinthes comme ça, je vais me faire choper. Très très faible dedans, je sais pas où m'orienter, les gars. Un buisson là, je me cache. Ah, il m'a chopé. Celui-là, ça genre, va. Non, ça va. En fait, c'est le samouraï, il te saute dessus et il ouvre la gueule en fait. En vrai, il est pas. Il te fait un memento mori. Un c'est premier. Bon, j'en ai cramé un. Allez, let's go. Oh mon dieu! Il est là! Oh putain. Ah ben là je où pense où qu'il il faut était... pas se cacher dans le premier que tu vois. Ouais. Bah, en fait. Ah, il y avait un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Kenzel, là où tu l'as vu, il y a un crâne là. Là c'est où. Bon, c'est parce bon, que j'ai j'étais à côté de toi. Ouh. Ouais bah oui mais là je peux pas là. Bah attends, je vais essayer d'aller je vais essayer d'aller le récupérer le crâne. Il faut que j'aille cramer le casque que j'ai. Je sais pas si t'as vu Kenzel mais quand on courait genre sur notre passage pareil. C'est qu'il y en avait un quelque part là, ici. Bon. Ah bah voilà, c'est il bon, est là. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Ouais. Le prends. Attends, laisse-moi le prendre parce que toi tu me rages 24. Ah non, moi je trouve les endroits où il en manque deux. T'en as un, il faut que t'ailles le cramer, il faut qu'on trouve le deuxième. Non, ici y'a vraiment pas d'endroit pour se cacher, oh mon dieu. Ah, je vais mourir, j'ai plus de stamina. Il est derrière toi ou il est derrière moi? Oh, il m'a niqué les oreilles, hein, mais genre vraiment. C'est c'était bon, où y avait j'ai récupéré, c'est bon. Ok, nice. Ouais, je vais le cramer celui-là, comme ça c'est fait. Regardez, c'est... Attends, il est près du truc là, on c'est crame. Bon. Ah, c'est bon, il s'est cassé. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Nice. Tu l'as fait. Oh, le tu samouraï. As enlevé la malédiction. Mon nom est Kuzunoki Masahike. Et je suis également ton grand-père. C'est pour ça la raison que la sorcière nous a ciblé tout ce temps. Parce que j'ai fait un deal avec il y a longtemps et j'ai sacrifié. Je me suis sacrifié moi-même pour ma fille. Et la sorcière nous a transformés en ses servants. Et toute notre lignée a été maudite. Mais toi, tu es spécial. La malédiction ne t'a pas affecté. Et tu as encore du temps. Utilise mon épée. Gros, le katana. Ok, là, c'est. Comment dire, l'inverse d'une malédiction là. Il a... Une bénédiction. Ouais, il a une aura spéciale. Ouais, voilà. Une...
bénédiction. Par contre, c'est abusé parce que du coup, c'est bien. Vu que tu sais lire bien anglais, là, tu serais pas anglais. Ah, le pire, c'est que ça va hyper vite. J'ai à peine le temps de traduire et de lire en même temps, c'était dur. À la fin, par contre, il a dit que ce katana, il va nous aider à trouver la fin. Ah, bah tu l'as. Ah, on peut, on peut mettre des coups. Attends, mais pourquoi tu l'as, toi, et nous, on l'a pas? Mais si. Quoi, c'est ta justice. Essaye voir d'appuyer sur F. Voilà. Ah, bah voilà, oui, avec la molette. On peut avoir les deux, du coup. Ouais. Attends, on peut taper avec. Ouais. Oh. Ah oui. On va pouvoir se venger pour ces 4 chapitres d'affilée où on s'est fait victimiser comme des merdes. Ouais, enfin. On va arriver à la démon... tu sais, on l'a fait à la Demon Slayer, là. Vraiment. Par contre, l'histoire de fin, il y avait mieux, hein. Une malédiction. C'est comme dans Demon Slayer avec les araignées, là. Ben, c'est la même chose. Et que toute la lignée, elle a été maudite, machin et tout. Oh là là, oh, ça commence. Ça, c'est horrible, ça. J'aime pas ça. Oh, je commence à avoir l'habitude quand même, hein, mais bon. Ouais, peut-être, tu vois, je me dis, on a un katana quand même, quoi. Miaou, 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 miaou. Ça doit être les ancêtres de Kusanagi en parler. What? Oh, regarde, sous terre. Tu sais, c'est les trucs de. Les marionnettes. Ouais, ouais. Ouais, marionnettes. Je vais vous sauver, papa et maman. Ok. Ouais, c'est un manga le truc là. Ok, faut sûrement rentrer dedans. Oh. Ouais. Ah. On lui rentre dedans, quoi. Oh, y'a un boss. Sama. Y'a une barre de vie et tout dessus. Ah bon, ouais. Le démonter, allez, let's go. Allez, let's go. On va le défoncer. On va le défoncer. Let's go. Il faut trouver les 7 cœurs de Sama et utiliser la bénédiction de Kusanagi pour les détruire. Oh, y'a un cœur. Ok, bah tu le. Let's go! Let's go! Hey, tiens! Demon Slayer! Pourquoi ils font 0 dégâts ou c'est moi? On est à 3 sur un cœur, quoi! Ah ouais? Ah, c'est bon. Ah oui, ils font 8 ans à trouver le cœur! Allez, on y va! Attends, y'a une cabine ici! C'est pour se cacher, ça, au cas où! Ouais. Oh, y'a un truc là, c'est quoi? Hop, tiens, un coup de katana! Est-ce qu'on a vraiment besoin de se cacher? Oui! Bah, je pense clairement! Ouais, oui! Clairement que oui! Ah, y'a un cœur là-bas à droite. Là, et là aussi y'a un cœur là. Allez-y, faire l'autre, moi je vais faire celui-là. Vas-y, go. On va là le cœur. Hein. Go, go, go. Oh, cœur dégueulasse là. Ah, y'en a encore un là. Ah ouais, bah let's go. Attends, on va juste ouvrir ça au cas où, comme ça si elle vient et qu'on en j'ai l'impression que ça a pris. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y a, tu l'as vu? Je sais pas, non, y'a un gros bruit comme ça. Pum. Si c'est bon, je l'ai vu. Ah, ok. Elle marche au plafond. Ah, what et tu peux t'enfuir ou pas? Bah, je pense que oui, mais moi j'ai pas couru parce que je l'ai pas vu venir. C'est l'exorciste. Ah bah, en même temps, si elle marche au plafond... T'es en train de me dire, attends, il y a un bruit chelou, c'est quoi? C'est le cœur qui est en train de s'emballer, c'est quoi? Ah, c'est bon, c'est bon. La barre, elle a descendu, normalement tu l'as tué. C'est bon, Sayoto, attends, Sayoto. Ouvre-moi. Ah, t'es là. On sait jamais. Ah, coucou. Elle nous rentrer trop dedans. Elle arrive à la. Non, elle arrive pas là, si. Les bandes de chochottes. Non, elle arrive pas là, c'est pas ce bruit là, elle fait un bruit bizarre. J'ai entendu mon cœur battre. Par contre, vraiment, tuer des cœurs, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Hein. J'ai ouais, remarqué. Ouais. Alors, bah, je crois qu'elle pleure là plutôt, non? Elle agonise. Elle agonise. Ah, elle est là! Ouais, mais il y a un truc qui se cache ici, mais il est mal positionné. Comment elle a pu ouais, moi aussi. Attends, mais non, on pouvait même pas rentrer. Ouais, comme... on pouvait pas. Bah, c'est un souci de dev. Ouais, j'ai remarqué, il y avait un grand. Petit problème, ouais. Ah, oh, c'est bon, ça m'a saoulé, je me cache plus. J'essaie juste de trouver les cœurs. Bah, les couilles là. C'est bon, j'en ai marre. Ouais, ouais. Hop, je vois un truc. Tiens. Elle est là. Bah. On s'en fout, on casse le truc, c'est bon. Je pas en cul, hein. C'est pas grave, on a eu un cas. Bah c'est que nous, comparé à elle, on peut respawn. Eh ouais. En tout cas, elle se mord bien dans sa cave, là. Elle est heureuse. Ah là, il y en a là, à gauche, ouais. Ah ouais. Bah let's go, l'une... En vrai, quand j'en vois un, mais c'est comme si c'était un truc rare, quoi. C'est historique. Ah, moi, j'ai juste envie de la meuf, là, parce que voilà. Je vais fermer, là. Elle est là. Oh. Mais ça sert à rien ces boîtes, hein. Je vous jure, ah oui. Ça sert à rien. On s'est fait. Elle nous a buté dedans.
Ah c'est. Ah ouais, je crois vu qu'on est beaucoup dans la boîte, ben ça considère comme si on était en dehors. Je sais pas, ils sont buggés les boîtes. Par contre, quand je l'entends, quand elle arrête de pleurer, ça me fait flipper. Je me dis putain, c'est que nous. Ouais, ouais, c'est qu'elle arrive. Enfin, tranquille, on découpe cœur. On découpe ça comme des chouchis. Ah yes. Ah, il faut voter. Il y a deux. Save vos parents. Sauver vos parents. Ou tuer Sama. Comme vous voulez. Ouais, mais si on sauve nos parents. Je préfère sauver les parents, pas vous. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai envie de tuer la Sama, mais vas-y, parents. Hein. Allez, bon. Les parents, c'est. Voilà, quoi. Et là, nos parents, ils vont se transformer mais en. Mais c'est en trop démons. Bien, genre, ce. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça arrive souvent dans des histoires Roblox que tu peux choisir. Il y a des fins différentes. Ouais, les fins alternatives, c'est rare en vrai. Ah. Oh, cinématique. Eh bien, papa, maman. Un autre qui a été ajouté à ma collection. Les humains sont tellement on peut les avoir tellement facilement. On a décidé le mauvais truc. Tu as déçu Kintoru, ainsi connu comme Sama, sur une boîte. Bon, on a changé le mauvais truc. En fait, fallait qu'on tue la meuf et on a choisi nos parents et elle nous a pris comme marionnette. Ouais, ouais. Cool, mais ce serait bien quand même qu'on finisse ce chapitre-là, mais en ayant la fin avec Sama, en tuant Sama, parce que... Avec Sama. J'ai un petit goût d'inachevé là, quand même. Soit j'allais dire, on refait tout, mais on prend l'autre fin. Ouais. Et on fume juste l'autre fin pour montrer aux abonnés. C'est ça, ouais. Ça va être chiant de tout retourner, là. On est retombé. On a tout refait pour vous, les potes. On a tout refait pour vous, pour pouvoir voter. Save your parents, sinon je déconne. Kill Sama. Ouais, on va kill la madame. C'était long, c'était très long, mais on a fait tout ça pour vous. Du coup, on va voir un peu l'histoire, ça donne quoi. Je pense maintenant on va gagner, vu que sauver nos parents, on a perdu apparemment quand on avait pris ça. En gros, pour sauver nos parents, faut tuer Sama, je pense, dans tous les cas. Oui. Là, on l'a buté. Oh, regarde. Oh, c'est un jouet inutile. Enfin, c'est un outil inutile. On va dire qu'elle-même, c'était une marionnette dans encore quelque chose d'autre, tu vois, derrière les mains. Ah ouais. Et il l'embarque. Bah, au revoir. Vous avez sauvé vos parents. Oh, bah, c'est bon, on a pris le... C'est-à-dire, au début, on a pris le mauvais choix. Attends. Bah, là, c'est le bon choix. Alors, c'est quoi, Yofri, your ancestor, and savior? En gros, on a sauvé nos parents. Le jour d'après, en gros, on est descendu et on a vu nos parents qui nous ont dit bonjour comme si ils avaient aucune mémoire de ce qui venait de se passer. Comme si tout était normal. En tout cas, jusqu'à maintenant. Voilà. On peut mieux s'entendre quand même pour la fin. Donc en tout cas, j'espère que cette série, sur toute la semaine, elle vous aura plu. Et pourquoi pas refaire une semaine comme ça, peut-être l'année prochaine, hein, quand ils ont fini tous les chapitres du book 2, parce que pour le moment, bah, il n'y a pas encore de book 2, voilà, on ne sait pas trop. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous à vous.